Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision La Barre, les titres de cette édition. Rencontre entre les opérateurs économiques nigériens et la délégation de la communauté portuaire du Bénin pour discuter des problèmes qui persistent entre les deux parties. Le collectif des sociétés de sécurité privée du Niger est en colère. Dénonce l'octroi d'un marché à une société de sécurité étrangère. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Avant le développement de tous ces titres, je vous annonce que nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Ilyasu Aboubakar. Il est membre du cadre uni des structures de la société civile pour les intérêts du Niger. Monsieur Ilyasu Aboubakar, bonsoir. Bonsoir la RTL. Alors avant de revenir avec vous, rencontre ce matin à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger entre les opérateurs économiques nigériens et la délégation de la communauté portuaire du Bénin. Objectif, discuter des problèmes qui persistent entre les deux parties. Le compte-rendu de Cheb Guisso et Memouna Daouda. Il s'agit à travers cette rencontre entre les opérateurs économiques nigériens et la délégation de la communauté portuaire du Bénin de discuter sur les problèmes qui freinent la bonne collaboration entre les deux parties. Occasion pour le président de la Chambre de commerce du Niger de faire un point sur les potentialités dont dispose le Niger. Notre pays dispose d'un potentiel important en matière de transport et de transit des marchandises en raison du boom minier et pétrolier. À cet égard, le corridor béninois constitue l'une des principales voies d'accès à la mer pour les marchandises à destination du Niger. Le transit routier entre le Bénin et le Niger est régi par des conventions multilatérales, communautaires et bilatérales qui prescrivent les droits et les obligations précises de toutes les parties. Mais en dépit de cela, depuis 2004, l'utilisation du port de Cotonou est sujette à d'énormes problèmes entravant la circulation des marchandises entre le Bénin et le Niger. En effet, ces conventions internationales ont fait l'objet de violations répétées par les autorités portuaires béninoises. Ainsi, des mesures importantes sont souvent prises sans concertation préalable, ce qui aurait pu minimiser leur incidence sur nos activités. Cette situation a obligé les opérateurs économiques nigériens à se redéployer progressivement sur les autres ports de la sous-région. Je peux même affirmer qu'une véritable crise de confiance s'est instaurée entre nous. Mais fort heureusement, les plus hautes autorités de nos deux pays, conscientes du fait que nous sommes et nous resterons des partenaires obligés et incontournables, se sont investis pour la juguler en essayant de trouver les solutions aux problèmes qui concernent les deux parties. Présent à cette rencontre, le directeur général du port autonome de Cotonou a appelé à une bonne cohabitation vu l'importance de la présente rencontre. Ceux de nos parents, de nos arrière-grands-parents, qui n'ont pas eu le privilège que nous avons aujourd'hui, puissent, là où ils sont, se dire « Nous n'avons pas vécu pour rien. Ce que nous n'avons pas pu faire, notre descendance est en train de le faire. » C'est-à-dire cohabiter ensemble, comme un mari et une femme. Cette histoire et cette géographie nous obligent, Monsieur le Président, à être ensemble. Comme disent les juristes, ad vitam aeternam. Au cours de cette rencontre, un mémorandum sur les problèmes que rencontrent les opérateurs économiques nigériens sur le corridor Bénin-Niger sera présenté à la délégation de la communauté portuaire du Bénin. Un mémorandum qui, une fois pris en compte, permettra de réduire, voire mettre fin aux tracasseries dont sont victimes les opérateurs économiques nigériens. Alors maintenant, nous venons à notre invité, M. Ilyasu Aboubakar. Demain, le cadre uni des structures de la société civile pour les intérêts du Niger organise une manifestation. Alors, quel est l'objectif de cette manifestation que vous voulez organiser demain? Tout d'abord, nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous offrez de dire à l'ensemble du peuple nigérien le mobile de cette manifestation. Eh bien, cette manifestation a pour mobile donc d'appuyer l'ensemble des revendications et des propositions que nous avons eu à soumettre au gouvernement, plus particulièrement au ministre des Mines et du Développement Industriel, qui consistait à demander l'application à travers donc les renégociations entre l'État du Niger et Areva, donc le code minier 2006, et aussi de prendre en compte l'ensemble donc des dispositions constitutionnalisées à partir de la dernière constitution de 2010. Donc c'était en fait c'est pour appuyer ces causes-là que nous avons demandé demain à l'ensemble des Nigériens
filles comme garçons, vieux comme jeunes, et aussi l'ensemble des partis politiques, quel qu'en soit leur bord, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Nous avons toujours l'habitude de dire que ce n'est ni un problème de la religion, ni un problème politique, mais plutôt un problème de la souveraineté nationale à défendre. Et tout celui qui se sent lié à la cause nationale, tout celui qui sent qu'il a un devoir quelque part de soutenir donc à ce que les ressources minières nigériennes ou les ressources donc extractives nigériennes servent au développement du Niger sont cordialement invités demain à partir de 8h à la place de la concertation pour le meeting que les structures de la société civile qui militent dans le cadre de la transparence projettent d'organiser demain et de réaliser. Donc voilà de manière succincte ce que je pourrais vous dire pour en ce qui concerne le mobile de la manifestation de demain. Alors hier dans votre déclaration vous avez dit que c'est une marche suivie de meeting et aujourd'hui vous annoncez un meeting, pourquoi cela? Et nous annonçons le meeting parce que les autorités ont empêché la marche, mais ils ont autorisé le meeting et nous tenons à nous rassembler et à dire notre mécontentement par rapport à cette bridation des libertés, parce qu'il n'est pas normal dans un régime démocratique qu'on empêche régulièrement des manifestations. Et donc c'est à ce titre que nous avons demandé à l'ensemble des Nigériens de participer massivement au meeting que nous organisons. Nous tenons à manifester et nous manifesterons également demain à travers donc l'appel que nous sommes en train de lancer. Et demain, nous condamnerons également avec la dernière énergie le comportement des autorités qui nous dirigent et aussi particulièrement donc les maires qui prennent le malin plaisir de refuser à des citoyens d'exercer librement leur droit qui est le droit de la manifestation, qui est un droit constitutionnellement reconnu et universellement reconnu à tout citoyen. Donc nous profiterons de cette occasion pour effectivement dénoncer cela. Et cela nous appelle aussi, ça renforce notre conviction dans le cas notre conviction du fait que véritablement ce que nous sommes en train de dire est une cause noble et qu'elle est entendue par les princes qui nous dirigent, parce que ça les dérange qu'il y ait des manifestations libres et sur le territoire du Niger. Donc nous appelons à l'ensemble des citoyens nigériens de répondre demain massivement à cette manifestation pour montrer à ceux qui refusent, à ceux qui baillonnent le peuple, à ceux qui empêchent le droit de manifester, qu'il est possible de pouvoir manifester. Demain, nous lançons un appel à partir de 8h à la place de la concertation pour le meeting. Je le rappelle, ça n'a aucune coloration politique, ça, ce n'est pas religieux, c'est la défense des intérêts matériels donc des ressources naturelles du Niger, et celui qui se sent véritablement républicain et patriote, qu'il se sent lié par la cause du Niger, de faire le déplacement demain. Nous invitons tout le monde, les hommes comme les femmes, les mariés en venant, ils viennent avec leurs enfants et leurs épouses. Donc voilà l'appel que nous avons à lancer par rapport à cette question. Alors monsieur Elias Boubacar, merci beaucoup, et je rappelle que vous êtes membre du cadre uni des structures de la société civile pour les intérêts du Niger, cause donc qui organise demain un meeting à la place de la concertation. Merci monsieur Elias Boubacar. Nous continuons ce journal, la cérémonie de signature ce matin de convention de vente à crédit entre la société et Niger Imperial Motors et Asusu SA, un partenariat nouvelle ère au bénéfice des populations nigériennes. Le compte rendu de Asmane Shina et Ibrahim Abdou. C'est le début d'un partenariat entre Niger Imperial Motors et Asusu SA. Les deux institutions ont décidé de faire même route pour atteindre les objectifs du développement. L'acte a été posé ce 28 mars 2014 avec la signature de convention de vente à crédit des produits de Nimo. À Niger Imperial Motors, nous optons pour un développement dynamique, accéléré et soutenu. Et c'est pour cela que nous donnons les moyens d'appliquer les méthodes modernes d'approche commerciale mises en œuvre dans les plus grands pays développés. Ces méthodes innovantes passent quasiment toutes par la fourniture de services de proximité à travers des partenariats entre les acteurs de la finance et les distributeurs. Ainsi, tous les jours, d'une manière proactive, nous réfléchissons et posons des actions ayant comme leitmotiv que le commun des Nigériens puisse accéder, entre autres, à un moyen de transport de qualité à moindre coût, à un moyen de secours de fourniture d'énergie pour un meilleur confort dans la famille. Dans cette vision orientée exclusivement client, fort heureusement, nous ne sommes pas seuls. En l'occurrence, notre partenaire Asusu est un acteur majeur
qui a fait ses preuves dans la fourniture des services sur mesure à nos concitoyens. Ainsi, à travers cette signature publique de partenariat, nous voulons inviter particulièrement les administrations publiques, les sociétés et entreprises privées à faciliter l'accès à nos produits à leurs collaborateurs. La société Asusu, considérée comme leader de la microfinance au Niger, rassure quant à la bonne marche de ce partenariat avec Niger Imperial Motors qui profitera à bon nombre de citoyens. Asusu SA se fera le plaisir d'y accorder toute l'attention et l'engagement professionnel nécessaires afin de garantir son succès. Monsieur le directeur général, je tiens à vous rassurer encore une fois de plus. Notre ferme engagement et la disposition de toute l'équipe de Asusu SA dans la réalisation de cette entreprise au profit de nos vaillantes populations. De par la signature de cette convention, je reste convaincu de l'expérience de nos actions et leur impact sur notre communauté. Celle-ci mérite d'être soutenue et nous restons ouverts à toute forme de collaboration pour trouver ensemble les solutions idoines aux problèmes de notre pays. Je ne saurais conclure sans vous adresser nos sincères remerciements pour votre contribution à la réussite de cette manifestation et vous réitérer nos engagements à satisfaire tous les besoins de nos clients communs. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministre du Commerce a salué cette initiative louable qui contribue à la promotion du secteur privé. La voie est donc désormais ouverte pour ceux qui veulent acquérir des moyens de transport avec la société Nimo. Vous pouvez souscrire à cette offre en domiciliant vos salaires ou en ouvrant un compte d'épargne à Asusu SA. Un mot de santé dans ce journal. Le 24 mars 2014, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, conformément au règlement sanitaire international, a informé l'opinion internationale d'une épidémie de fièvre à virus Ebola qui se vit actuellement en Guinée au Conakry. Suite à cela, une réunion extraordinaire du Comité national de gestion des épidémies s'est tenue cet après-midi sous la présidence du ministre de la Santé publique, Manu Agali, que je vous propose de suivre. À l'issue de cette réunion extraordinaire du Comité de gestion des épidémies, nous venons d'adopter un certain nombre de recommandations. Nous appelons la population, nous appelons les responsables des formations sanitaires, nous appelons les leaders religieux, les chefs coutumiers, toutes les personnes qui sont intéressées à un titre ou à un autre aux questions de santé, de s'impliquer davantage pour que l'information passe. Et nous voulons qu'il y ait une information juste, vraie, vérifiable. Il ne s'agit ni de la transformer, ni de la manipuler. Il s'agit d'une épidémie de fièvre hémorragique au virus Ebola qui sévit présentement en Guinée. Et il s'agit de prendre les dispositions pour que cela n'arrive pas au Niger. Et nous souhaitons aussi que ce qui se passe en Guinée, que les Guinéens et toutes les populations qui vivent en Guinée retrouvent leur santé, ceux qui sont malades, et que cette épidémie s'estompe le plus tôt possible. Au Niger, nous appelons nos partenaires techniques et financiers à plus d'élan de solidarité envers les services de santé, à plus de collaboration, surtout à revitaliser le Comité national de gestion des épidémies pour être prêt à toute éventualité. Il s'agit de cela et nous demandons à la presse, aux médias, à tous les médias, de nous accompagner pour faire passer le message. Le collectif des sociétés de sécurité privée du Niger est en colère. Il a rendu public ce matin une déclaration dans laquelle il dénonce l'octroi d'un marché à une société de sécurité étrangère. Le résumé avec Youssouf Omar et Halidou Bourayma. Encore une société étrangère maligne, appuyés par d'autres forces qui cherchent à rafler tous les marchés au détriment des sociétés nationales en charge de sécurité privée. La société retenue n'exerce pas au Niger en qualité de société de sécurité privée. Il semblerait que cette société étrangère
a depuis plusieurs mois énormément de difficultés socio-professionnelles et juridiques dans son pays d'origine. La société étrangère retenue s'adonne d'ores et déjà à des actions de débauchage de nos salariés préalablement formés à grands frais par nos structures afin de combler leur manque d'effectifs, ce qui représente une déstabilisation programmée de nos entreprises. Cette société étrangère à long terme, légitimée par sa présence au sein de la délégation de l'Union européenne, se verra invitée à postuler à tous les appels d'offres à venir au Niger, et ceci au détriment de nos entreprises locales qui risqueraient de disparaître. Nonobstant notre mission première, à savoir la sécurisation des personnes et des biens, nos entreprises participent au développement économique et social en matière de création d'emplois directs et indirects, ainsi qu'à la mobilisation des ressources internes, ce qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie globale du gouvernement de la République du Niger dans sa lutte contre la pauvreté. Malgré leur compétence à répondre à toute sollicitation nationale, voire internationale, et vu qu'à compétence égale, le choix du prestataire doit être porté sur l'entreprise locale, les sociétés de sécurité, face à ce qu'elles qualifient d'insulte à leur égard, durcissent le ton. Nous sommes assez à même d'avoir une expertise, puisque l'histoire l'a démontré. Aujourd'hui, dans la sous-région, le seul État stable, c'est le Niger. Nous avons la meilleure défense, tout le monde le sait. Cela veut dire que nous avons une expertise. Je note aussi que la seule école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité de la sous-région se trouve au Niger. Elle a été inaugurée par les autorités. Donc on ne peut pas vivre l'insulte qu'en étant présent sur le terrain, avec les compétences qu'on a développées, qu'on fasse appel à l'étranger. Selon le collectif des sociétés de sécurité privée du Niger, le marché attribué à la société de sécurité étrangère est un marché faramineux jamais octroyé dans l'histoire de la vie des entreprises de sécurité nigériennes. Je crois que le Nigérien, le gouvernement du Niger, les partenaires du Niger doivent prendre conscience pour protéger cette activité fortement menacée. Ouverture ce matin d'un atelier de formation des organisations féminines sur les droits des femmes. Une rencontre organisée par le réseau des femmes enseignantes du Niger, REFEN, le compte-rendu de Biba Dangouringo et Sadou Doumi. Cette formation est destinée aux femmes enseignantes de toutes les régions du pays. Une initiative du réseau des femmes enseignantes du SNENA. Une option de ce syndicat qui vise à présenter à la femme enseignante les mesures de circonstances actuelles pour s'affirmer afin de prendre en charge les préoccupations des femmes, notamment enseignantes. Ces droits peuvent s'évaluer à travers le respect de la loi des quotas au taux de femmes occupant les emplois supérieurs. Chères participantes, je vous invite à suivre avec attention les éléments qui seront développés pendant la formation. Cela nous permettra d'être fixés sur ce qui a été fait, mais surtout d'être consciente de ce qui reste à faire, c'est-à-dire les défis et les combats qui nous attendent. Une rencontre qui a eu le soutien de l'ONU Femmes, qui accompagne les femmes dans leur combat pour défendre leurs droits. Vous êtes une force au sein des syndicats, et je suppose que nos collègues et camarades hommes ne diront pas le contraire. Mais cette force, vous devez la traduire en action. Il faudrait que, au-delà des mots et au-delà des jeux de mots, que vous ayez un plan d'action concret et solide afin que certains droits, notamment les plus fondamentaux des femmes travailleuses qui cotisent autant que les hommes, mais une fois qu'elles se retrouvent dans certaines situations, leurs ayants droit se voient refuser le droit justement d'hériter de ces mère, de ses tantes, de ses sœurs, de ses filles, au même titre que les hommes. Le secrétaire général du SNEN a exhorté les participantes à suivre avec intérêt ceux qui leur seront présentés. Chères participantes, je voudrais vous appeler à considérer pendant les 3 jours de travaux que vous êtes les ambassadrices de toutes les femmes qui n'ont pas eu la chance de participer à cet atelier. Par conséquent, vous devez faire preuve d'assiduité et de discipline aussi dans la conduite
des travaux pour que vous puissiez épuiser le programme, le chronogramme tel que vous l'aurez établi dans le déroulement de cette activité. Cette session de formation qui a été rendue possible grâce au soutien du CNENA durera 3 jours. Voilà, mesdames, messieurs, ici donc s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.